La nouvelle hausse des contaminations est donc une incitation à la vaccination. Un chiffre, moins de 15% des plus de 80 ans n'ont reçu aucune injection. Ce sont eux qui sont pourtant les plus à risque, mais également les plus difficiles à convaincre, selon Gilles Bonnefond, le porte-parole de l'Union des syndicats de pharmacie d'officine. C'est souvent des personnes qui ont plus de 80 ans qui ne sortent pas beaucoup. Et donc, elles considèrent que ne sortant pas, elles sont protégées. C'est une erreur, parce que même si elles ne sortent pas beaucoup de chez elles, elles voient la famille, on va approcher de Noël. Il faut vraiment qu'elles se vaccinent. Maintenant, les vaccins sont à disposition dans les pharmacies. Les infirmiers peuvent se déplacer à domicile de ces patients. Les médecins sont informés des patients qui ne sont pas vaccinés. Il faut qu'ils puissent les appeler pour les inciter à se vacciner. Nous, on est prêts à travailler avec les médecins, les infirmiers, pour augmenter cette couverture vaccinale qui est absolument indispensable.